Oh,
tcha-tcha. Déjà là, c'est une grande émotion. Tu sais, donner le biberon au bébé d'un bébé que j'ai connu. C'est bonheur, ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette soirée? À la veille d'un grand événement. Nickel, mais le problème, c'est que j'ai plus de boîte aux lettres. C'est quoi? J'ai plus de boîte aux lettres. Ah, t'as plus de boîte aux lettres. Tu vas recevoir du courrier. Toi, tu penses que t'as ma boîte aux lettres, mais demain, c'est un grand jour. Non, mais c'est pour ça que je focalise sur ma boîte aux lettres pour pas penser au reste. Bah ouais, je pense pas au reste. Pour l'instant, étape par étape. On pourrait peut-être inviter le facteur mariage. C'est toi, Mathieu, qu'est-ce qui t'inquiète de plus? La boîte aux lettres ou le fait que tu te maries demain? Ah, c'est que le facteur, il va pas pouvoir mettre le courrier demain. Donc, c'est ta boîte aux lettres aussi qui t'inquiète, quoi. C'est pas le mariage. On a quand même pas l'impression de très sérieux. En fait, on se fait des soucis, là. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Ah, le reste, on s'en fout. Bon, une bon, demain, pour le reste. Voilà, d'accord. Tout à fait. Allez, à demain. Bonne nuit. À demain. Bonne nuit. Traitant des 214, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la cause, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371.1, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de la décision qui le concerne selon son âge et son degré de maturité. Le 7 avril 2018, à 15h30, vous voulez vous prendre pour époux Mathieu, Michel, Hans, ici présent. Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Bravo, bravo. Symbole de mon engagement, de mon respect, de mon amour pour toi. Par elle, je unis ma vie à la tienne. Et en portant cette alliance, souviens-toi de cette promesse. Mathieu, je t'offre cette alliance afin que tu te rappelles à chaque instant que je t'aime, que je te respecte et que je te chéris. Quel soit le rappel, que je serai là pour tout partager avec toi et te soutenir à chaque instant. Par elle aujourd'hui, je unis ma vie à la tienne. Ça
Alors maintenant, nous allons procéder au baptême républicain de Victoire. Et vouloir présenter votre enfant Victoire devant nous, en la maison commune. Vous avez également déclaré donner à votre enfant comme protecteur particulier M. François Magnier, en qualité de parrain, et Mademoiselle Léa Croze, en qualité de marraine. M. François Magnier et Mademoiselle Léa Croze, acceptez-vous le rôle et la charge que veulent vous confier M. et Mme Hans? Oui. Prenez-vous l'engagement solennel et l'honneur de suppléer dans la mesure de vos moyens auprès de l'enfant présenté par ses parents? Oui, bien sûr. Je vous donne acte de l'engagement que vous venez de prendre. Il a dit oui. Il a dit oui, pas. On dit le un peu oui. Oui. Oh là 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 là. Oh,
C'est une topine. Petite topine. Ça, c'est Marie-Thérèse. Ça va très bien, toi, Jean-Luc. Tu cherches quoi, mamie? Alors, je cherche mon nom, mon étiquette, Pascaline. Et la mienne aussi? Accessoirement, la tienne aussi. À côté de mamie, la table des vieux. Non, on est à la table des vieux. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et tous. Attention, c'est l'égalité. Donc on va démarrer cette soirée par un petit mot. Un long mot. Ah là là, c'est Alice. Donc là j'ai pris le micro, tout le monde sait que je suis pas très loquace. Quand je parle en général, je parle pas beaucoup. Mais alors? Donc on a décidé de vous dire un petit merci, un grand merci. Tout d'abord, vous rappelez que les décors sont de Roger Hart et les costumes sont de Donald Cardwell. Alors merci à tous d'être présents aujourd'hui afin de célébrer ces beaux événements, donc notre mariage et le baptême de Victoire. Tout d'abord, merci à nos parents, nos grands-parents, pour nous avoir fait, déjà. Sinon, c'est voilà. Mais surtout pour leur soutien sans faille. Donc, merci à notre famille, frères et sœurs, oncles et tantes, cousins et cousines, pour leur présence continue à nos côtés. Merci à nos amis, témoins de nos vies, de notre histoire et pour certains, témoins de notre mariage. Alors, merci à Léa et à François d'être la marraine et le parrain de notre petit trésor. Ah ouais, on va dire un merci particulier à Sophie et Franck. Parce qu'ils nous ont prouvé en fait qu'un attaché de. Une attachée de préfecture et un sapeur-pompier, ça avait de l'avenir. Hein, puisque c'est également leur cas. Merci aussi à, on va le dire voilà, très fort, à l'équipe de l'Infini pour leur accueil. Et vous noterez le choix du nom du restaurant pour accueillir nos noces. Ah, voilà. Merci à notre photographe, à sa tendre moitié, qui sont aussi nos amis. Donc je vais en profiter pour faire la pub tout de suite, hein, c'est robertdouaneau.fr,
Ah non, c'est pas ça. C'est robertdelmode.fr. Donc c'est un photographe professionnel malgré tout. Une petite pensée aussi pour ceux qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui, mais qui sont toujours dans nos cœurs. Alors merci à tous de nous avoir soutenus, d'avoir cru en nous, en notre amour, d'avoir permis notre bonheur, notre amour, notre avenir recomposé et notre victoire qui illumine notre vie depuis à peu près 2 mois. On peut applaudir. Un merci particulier à Pauline, à Mathilde et à Jules qui sont des grands frères et sœurs au top. Ah oui, et on peut les applaudir aussi. Bon, après, on a décidé de se faire un merci conjoint. Donc merci à toi aussi, mon amour. C'est moi. Donc pour écrire ce mot, j'ai pensé d'abord à une citation. L'amour est un secret entre deux cœurs et un mystère entre deux âmes. J'ai aussi pensé à l'anecdote, puisqu'il y a 2 jours, on s'est dit tous les deux, on s'est trouvé parce qu'on ne s'est pas cherché. On dit d'ailleurs que ceux qui cherchent le bonheur ne le connaissent pas. Moi aujourd'hui, je le connais. Depuis 3 ans, nous avons bâti un couple, une famille, un foyer. Et rien n'aurait été possible sans ton amour, ton engagement, ton courage, ton intelligence. Alors merci d'être ce que tu es et de me rendre heureux chaque jour. Je t'aime. Mon amour, mon amant, mon meilleur ami, mon confident, mon partenaire de sortie et mon soutien le plus fidèle. Merci pour ce quotidien plein de bonheur et d'aventure. Merci de me faire rire aux larmes chaque jour et de me faire souvent pleurer d'émotion. Merci de m'aimer et de faire en sorte que je m'aime. Merci pour ce merveilleux cadeau que tu m'as fait, ma petite princesse, qui m'a fait devenir maman aussi, à mon tour. Merci aussi pour Apolline, pour Mathilde et pour Jules, sans qui la vie serait tellement ennuyeuse. Je te transmets aussi les remerciements de toute ma famille, qui est absolument ravie que quelqu'un ait enfin essayé assez fou pour m'épouser. Et tout simplement, merci pour ces belles années que tu m'as fait vivre, et merci pour toutes celles aussi belles à venir. Au salon de la bière. Pour pas s'inquiéter, elle est pas fou. Enfin, elle était pas. Mais c'était une sacrée soirée. On a même parlé de Mr. Bean, ça reste toujours un mystère sur le fait qu'on n'est pas bon Mr. Bean.
Bref, c'est devenu une personne très importante pour moi. Profite de ton mariage, bonne journée. Deux secondes. On va dire à deux. Je vous parle en ce jour pour célébrer l'amour de mon père et de ma belle-mère. C'était il y a 12 ans de ça. La première fois que j'ai te rencontré. La première fois que j'ai dit papa. Pas la dernière. La première fois que j'ai marché jusqu'à toi. La première fois que je t'ai dit je t'aime. C'était il y a si longtemps, mais je n'ai pas oublié l'amour que je ressens pour toi, mon papa adoré. Et le bonheur que j'ai à te sauter dans les bras. Un beau jour d'été, une magnifique personne est arrivée. Elle était brune aux yeux bleus. Et c'était toi, Alicia. Je suis que c'était elle la personne que mon père attendait depuis tout ce temps. La personne qui saurait l'aimer. Et qui aura de la place dans son cœur pour nous aimer, nous, Apolline, Jules et moi. Il était convaincu que c'était la bonne. Mais tout de même, il restait un trou dans le cœur de chacun qui a été comblé cette année par le plus beau trésor que la Terre aurait pu nous offrir. Ma petite sœur Victor. Ma famille est le soleil qui éclaire mes journées et la lune qui endort mes nuits. Il ne pouvait rien m'arriver de mieux que ce fabuleux mariage. Voilà. Allez, c'est parti! Thank you.
sola. Dame mi abuela, danza su duro, no te canse ahora. Puso el pie a la cabeza, danza su duro, la mano arriba. Pour ce merveilleux mariage.